Alors, je vous salue tous de tout mon cœur. Os saluda a todos de todo corazón. Je suis venu en Espagne à partir de Medjugorje où j'habite depuis plus de 26 ans. He venido a España desde Medjugorje donde vivo hace 26 años. Et j'ai encore neuf, enfin en comptant vous, j'ai encore neuf villes où porter les messages de Medjugorje. Y todavía nos queda con vosotros nueve ciudades en las que vamos a ir para llevar el mensaje de Medjugorje. ¿Se me oye bien por toda la sala, por toda la iglesia? Et c'est une très grande joie pour moi de pouvoir partager toutes les choses très importantes que le ciel à travers la Vierge Marie nous dit à Medjugorje. Et para mí es una alegría muy grande poder compartir con todos vosotros las cosas tan importantes que el cielo a través de la Virgen María nos está contando en Medjugorje. Vous savez que nous sommes dans une période très très difficile de l'histoire en ce moment. Sabéis que estamos en un periodo muy difícil de la historia en este momento. Marie nous dit que, comme jamais encore auparavant, Satan travaille à nous détruire. María nos dice que Satanás, como nunca antes, está trabajando para destruirnos. Il travaille à détruire nos âmes, le peu de paix que nous avons dans le cœur. Está trabajando para destruir nuestras almas y destruir la poca paz que tengamos en el corazón. Il veut détruire nos familles. Quiere destruir nuestras familias. Il veut détruire l'Église et en particulier les prêtres. Quiere destruir la Iglesia y especialmente a los sacerdotes. Il veut détruire toute l'humanité, la nature et même la planète sur laquelle nous vivons. Quiere destruir toda la naturaleza, incluso el planeta sobre el que vivimos. Mais nous savons que lui-même est comme un animal blessé à mort qui n'en a plus pour longtemps. Pero todos sabemos que es como un animal herido de muerte que ya no le queda mucho tiempo. Et c'est parce qu'il n'en a plus pour longtemps qu'il travaille avec tant de force, c'est comme la force du désespoir. Y como sabe que le queda poco tiempo, trabaja con tanta fuerza, es como la fuerza de la desesperación. C'est aussi pour cela que la Vierge vient à Medjugorje chaque jour depuis plus de 35 ans maintenant. Por eso también la Virgen viene desde hace 35 años cada día a Medjugorje. Alors je ne vais pas vous décrire tous les points du message de Medjugorje, on en aurait pour jusqu'à demain matin. No puedo describiros todos los mensajes de Medjugorje porque si no tendríamos para hasta mañana por la mañana por lo menos. Mais il faut se rendre compte que nos pays dits catholiques comme l'Espagne, l'Italie, la France sont plongés dans une grande apostasie aujourd'hui. Pero tenemos que darnos cuenta que los países como España, Italia, Francia, que son llamados católicos, están sumergidos ahora en una gran apostasía. Alors la Vierge Marie nous a donné des secrets à Medjugorje. La Virgen María ha dado secretos en Medjugorje. Bien sûr, beaucoup de ces secrets sont sur l'avenir du monde, mais nous ne connaissons pas leur contenu. Algunos de esos secretos son sobre el futuro del mundo, pero nadie sabe su contenido. Mais nous savons qu'un des derniers secrets est un secret assez dur. Pero sabemos que uno de los últimos secretos es un secreto bastante duro. Même s'il a été adouci grâce aux prières et aux jeûnes que les pèlerins ont fait après leur séjour à Medjugorje. Incluso si ha sido, dijéramos, aligerado o suavizado gracias a los ayunos y las oraciones de todas las personas que han pasado por Medjugorje y han hecho caso. Alors, je voudrais vous parler maintenant de quel type d'avenir la Sainte Vierge nous parle et nous propose. Querría hablaros un poquito de qué tipo de futuro nos habla la Virgen y nos propone la Virgen. D'abord, il faut savoir que le seul avenir sûr que nous avons, c'est la sainteté. Hay que saber en primer lugar que el único futuro seguro que tenemos es la santidad. Bien sûr, la sainteté n'est pas de faire des miracles. Claro está que la santidad no es hacer milagros. La sainteté, c'est d'avoir dans son cœur la plénitude de l'amour de Dieu. La santidad consiste en tener en el corazón la plenitud del amor de Dios. Tout le reste passera. Todo el resto pasará. Que ce soit la famille, la santé, les biens matériels, le travail, la carrière, la nourriture, la maison, tout ça, ça passera. Todo pasará. La familia, el trabajo, la comida, la casa, todo eso pasará. Mais le degré d'amour que nous avons dans notre cœur, voilà le passeport que nous aurons pour entrer au ciel. Pero el amor que tengamos en nuestro corazón, ese será nuestro pasaporte para el cielo. Et la Vierge voit que nos âmes sont endormies. Y la Virgen ve que tenemos las almas dormidas.
Nous sommes comme anesthésiés par les biens matériels. Somos como si estuviéramos desviados por culpa de los bienes materiales. La Vierge nous a dit, n'oubliez pas, chers enfants, que le but de votre vie, c'est le ciel. La Virgen nos ha dicho, no olvidéis, queridos hijos, que el objetivo de vuestra vida, el fin de vuestra vida es el cielo. Mais Satan vous dévie avec le modernisme. Pero Satanás os desvía con el modernismo. Et qu'est-ce que c'est que le modernisme? ¿Qué es el modernismo? C'est une pensée erronée qui nous fait croire qu'il n'y a que la Terre. Es un pensamiento equivocado que nos hace pensar que solamente existe la Tierra. Vous êtes attachés à la Terre et aux choses terrestres, nous dit Marie. María nos dice, estáis apegados a la Tierra y a las cosas de la Tierra. Si bien qu'on a la tendance d'oublier le but, le réel but réel. Así que tenemos tendencia a olvidar cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro destino. Bien sûr, tous nous savons que notre destinée finale c'est le ciel. Nous le savons. Todos sabemos que nuestro destino último es el cielo. Eso lo sabemos todos. Mais est-ce que nous avons pris le chemin du ciel? Pero realmente estamos en el camino que nos lleva al cielo? En fait, il suffit pas de savoir que la destinée c'est le ciel. Dans la vie quotidienne, nous créons un autre but en fait. En realidad no es suficiente con saber que nuestro fin es el cielo. En realidad, sin darnos cuenta, en la vida de cada día nos creamos otros objetivos. Et cet autre but que nous créons. Y este otro fin que nos creamos, estos objetivos, c'est le bien-être terrestre. Es el bienestar terrestre. Avoir ceci, obtenir cela. Tener esto, conseguir aquello. Réussir ceci, acheter cela. Triunfar en una cosa, comprar otra cosa. Gagner. Ganar dinero. Bref, et ça devient tellement important que ça prend tout notre champ de conscience. Eso se nos vuelve tan importante que ocupa todo nuestro campo de conciencia. Et sans nous en rendre compte, nous avons coupé cette verticalité qui est notre salut. Y sin darnos cuenta, nos desconectamos de la verticalidad que es nuestra salvación. Et si vraiment mon but inconsciemment c'est le bien-être terrestre, me prépare un terrible désespoir pour le dernier jour. Y si realmente mi objetivo en la vida es vivir bien aquí en la tierra, me estoy preparando un enorme desesperación para mi último día. Parce que quand tout aura disparu, je me retrouverai vide, nu. Désespéré parce que j'aurais raté le train de lui salut. Cuando todo termine, yo me encontraré vacío, desnudo y desesperado porque habré perdido el tren que nos lleva a la salvación. C'est pour ça la Vierge est venue nous réveiller à Medjugorje. Por eso la Virgen ha venido a despertarnos a Medjugorje. Nous vivons dans une ère de apostasie très grave. Estamos viviendo en una época de apostasía gravísima. Nous avons, comme dit la Vierge, nous avons fait progresser la civilisation. Como dice la Virgen, hemos hecho avanzar mucho la civilización. Mais sans Dieu. Pero sin Dios. Et chers enfants, vous êtes fait votre propre Dieu. Y la Virgen dice, queridos hijos, os habéis construido vuestros propios dioses. C'est pour ça que vous n'êtes pas satisfaits, que vous n'êtes pas heureux. Por eso no estáis satisfechos, por eso no sois felices. Et je vous invite, chers enfants, maintenant à mettre Dieu à la première place dans votre vie. Y os invito, queridos hijos, dice la Virgen, a que pongáis a Dios en el primer lugar en vuestras vidas. Et cela demande du travail, de la réflexion, du temps, de eso la patience. Eso pide trabajo, reflexión, tiempo, paciencia. Qui est au centre de ma vie aujourd'hui? Hoy en día, ¿quién está en el centro de mi vida? Ou qu'est-ce qui est au centre de ma vie? O qué es lo que está en el centro de mi vida? S'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que Jésus, nous sommes dans le désordre. Si hay alguna otra persona o alguna otra cosa en lugar de Jesús, estamos viviendo en el desorden. Combien de personnes ont un être humain à la première place? ¿Cuántas personas colocan a un ser humano en el primer lugar de sus vidas? Le mari, l'épouse, le fils, la fille, quelqu'un. El marido, la esposa, el hijo, alguien, otra persona. O le travail, l'argent, le succès. O el trabajo, el dinero, el éxito. Le sport, la musique. El deporte, la música. Voilà. Et on devient dépendant de cela. Y nos volvemos dependientes de estas cosas. Et nous perdons la direction de
notre destinée. Y perdemos la dirección de nuestro destino, de nuestra vida. Alors la Sainte Vierge nous invite à, elle nous dit, arrêtez-vous, chers enfants, et réfléchissez à votre futur. La Virgen nos dice, paraos, deteneos, queridos hijos, y reflexionad en vuestro, sobre vuestro futuro. Où voulez-vous aller? ¿Dónde queréis ir? Mettez mon fils Jésus à la première place. Poned a mi hijo Jesús en primer lugar. Et ainsi, chers enfants, vous aurez un chemin sûr avec lui. Y así, queridos hijos, tendréis un camino seguro con él. Aujourd'hui, la situation est très précaire, pour ne pas dire très sérieuse. Hoy en día, la situación es muy precaria, por no decir muy seria. Il faut regarder la réalité en face. Je vais vous lire un. Hay que mirar la realidad cara a cara. Os voy a leer une interview d'un kamikaze de l'ISIS. Una entrevista que le hicieron a un terrorista suicida de l'ISIS. Il a été arrêté parce qu'il préparait un attentat à Tripoli. Lo detuvieron porque había preparado un atentado suicida en Tripoli, en Libia. Bon, cet attentat a été dépisté et il a été mis en prison et il a fait cette confidence. Afortunadamente lo pudieron parar a tiempo y lo detuvieron y en la cárcel ha hecho estas declaraciones. Alors, tu vas lire directement en español. Lo leo porque está en italiano, lo leo en español. Dice, yo soy un terrorista suicida del Estado Islámico y llegaremos hasta Roma. Él dice, arrestado poco después de un atentado en Trípoli, cuyo objetivo era matar al primer ministro y a un general, dice, lo que más impresiona es la absoluta tranquilidad con la cual admite su proyecto de hacerse saltar por los aires en nombre de Alá. Mis miedos no cuentan, dice él. Hago lo que tengo que hacer para, según nuestra religión. Moriré e iré al paraíso. Así está escrito, así lo quiere Dios, así lo pide el Corán. Esas son palabras de este señor. Allah. Sí, bueno, aquí pone... Sí, en realidad nuestro Dios y Allah no es la misma cosa, pero él dice Allah. Repite con voz monótona. Tiene un tinte oscuro en la piel, como la gente natural de una zona de Libia, es delgado, nervioso, fuerte, tiene los cabellos muy negros y la mirada fija y determinada. Ni siquiera se le escapa una gota de sudor en su frente, a pesar de que la estancia está llena de gente. Dice, pronto llegaremos a Roma, la ciudad símbolo del occidente infiel. Y allí, desde allí conquistaremos a toda Europa. Llegar a Roma desde Libia no es difícil, dice él. Para los cristianos y los infieles solo quedarán tres alternativas. O se convierten al Islam, o pagan el impuesto que pagan los infieles, o los matamos. Así de sencillo. Lo hemos oído decir muchas veces y ya casi nos parece un cliché. Eso es la entrevista. Voilà, mais il n'est pas le seul à déclarer cela. Pero no es el único que dice estas cosas. Ils ont déjà commencé à s'emparer de beaucoup de choses. Han empezado a hacer apoderarse de muchas cosas. Je voudrais vous parler aussi d'une autre réalité, c'est les apparitions des très fontanées à côté de Rome. Os querría también comentar otra realidad que son las apariciones que hubo en las tres fuentes en Roma. Parce que les prophéties qui étaient scellées dans les archives de Rome sont sorties au mois de février dernier. Porque los archivos de Roma los han hecho públicos el mes de febrero pasado. Je vous raconte en deux mots l'histoire. C'est un futur criminel qui avait pensé assassiner le pape Pie XII. Así, por resumir, era un señor que quería ser un criminal puesto que se había propuesto asesinar al Papa Pío XII. C'est un grand communiste et alors il s'appelle Bruno Cornacchiola. Era un comunista muy convencido y se llamaba Bruno Cornacchiola. Et la veille du crime, la veille du jour où il avait prévu d'aller assassiner le pape, ses enfants ont vu la Sainte Vierge. Y en la víspera del día que él había decidido ir a matar al papa, sus hijos tuvieron una aparición de la Virgen, vieron a la Virgen.
Et au moment où il a été chercher ses enfants, il les a vus à genoux en extase et lui-même a vu la Sainte Vierge. Y él se enfadó mucho cuando los vio de rodillas y fue a cogerlos y entonces él mismo también vio a la Santa Virgen, a la Santísima Virgen. Et la Vierge lui dit basta, maintenant retourne dans le saint troupeau. Y la Virgen le dijo, ya vale, ya está bien, vuelve al rebaño santo. Pour faire une histoire courte, il s'est converti d'une manière très profonde. Para no alargar la cosa, él se convirtió de forma profundísima. Il a été porté le couteau à Pidou, le couteau avec lequel il devait l'assassiner. Y pidió una audiencia y le fue a llevar al Papa el cuchillo con el cual pretendía matarlo, y se lo dijo. Et cet homme a eu depuis 1947, la date des apparitions, il a eu beaucoup de révélations de la Sainte Vierge sur l'état de l'Église et du monde d'aujourd'hui. Y en el año 47, cuando sucedían estas cosas, este señor tuvo muchas apariciones de la Virgen que le dijo el estado de la Iglesia y el futuro inmediato que teníamos. Alors, je vous parle des Trois Fontaines, de ces apparitions, parce que au mois de mai dernier de cette année, la Vierge a fait allusion à ces apparitions-là. Os hablo de esto porque este mes pasado, el mes de mayo pasado, la Virgen hizo alusión a estas apariciones en Medjugorje. Lorsque Bruno n'était pas encore converti, cuando Bruno no se había todavía convertido, il était tellement violent, il a pris une croix que sa femme avait mise au mur dans sa maison. Era tan violento que cogió un crucifijo que su mujer había colgado en su casa. Et il l'a jeté avec violence par terre et elle s'est cassée en mille morceaux. Y lo arrojó violentamente al suelo y se rompió en mil pedazos. Lorsque la Vierge lui est apparue donc en 1947, cuando la Virgen se le apareció en 1947. Elle avait cette même croix en morceaux à ses pieds. Él vio que la Virgen tenía esa misma cruz que él había roto, la tenía rota en mil pedazos a sus pies, en la visión. Et elle tenait dans ses mains un petit livre qui est le livre de l'Apocalypse. Y en sus manos la Virgen le mostraba un librito que era el Apocalipsis. Autrement dit, le livre de la Révélation. Que es conocido, es el libro de la Revelación. Lorsqu'elle est apparue en mai dernier à Mariana. Cuando en mayo pasado, en una aparición a Mariana. Elle a dit, je vous invite, chers enfants, à lire les signes des temps. Le dijo, os invito, queridos hijos, a que leáis los signos de los tiempos. Je vous invite à ramasser les croix brisées. Os invito a que recojáis las cruces rotas. Et je vous invite à devenir les apôtres de la révélation. Y os invito a convertiros en los apóstoles de la revelación. Autrement dit, c'est comme si elle nous disait, regardez tout ce que j'ai dit aux Trois Fontaines, à Bruno Cornacchiola. De alguna forma es como si dijera, haced caso a lo que dije en las Tres Fuentes a Bruno Cornacchiola. Vous ne pourrez pas lire le livre, sauf ceux qui lisent l'italien, le livre des prophéties est seulement en italien pour le moment, j'espère qu'on sera un jour traduit en italien. Por ahora ese libro solo está en italiano, solo lo podrán leer los que sepan italiano, pero se supone que pronto lo traducirán al español. Mais c'est très très intéressant de voir que dès 1947, la Vierge a déjà annoncé ce qui se passe aujourd'hui. Pero es muy interesante darse cuenta que ya en 1947 la Virgen anunciaba lo que está pasando hoy en día. L'invasion d'un peuple d'une autre religion. La Virgen dijo, seréis invadidos por un pueblo de otra religión. Un peuple violent qui va nous dominer. Un pueblo violento que os dominará. Qui va détruire nos églises et nos sécurités. Que destruirá nuestras iglesias y nuestra seguridad. Et Rome deviendra un tas de ruines. Y Roma se convertirá en un montón de ruinas. À cause de l'apostasie générale qui est por culpa celle de la nôtre aujourd'hui. Por culpa de la apostasía general que se dará en vuestro non, de l'apostasie générale d'aujourd'hui. De hoy en día. Vous les Espagnols, vous avez empêché l'islam d'arriver dans votre pays grâce à la prière, grâce à la prière du rosaire, grâce à votre foi. Dice, vosotros en España habéis conseguido libraros en la historia, libraros del islam gracias a vuestra fe, a la rezo del rosario y a vuestra fe y a la victoria que habéis conseguido. La victoria de l'Espagne. Non, mais ça c'était plus tard. Oui, d'accord. En tout cas, maintenant, où est la foi? Pero hoy en día, ¿dónde está la fe? Le Dieu est devenu le pouvoir, le pouvoir, l'argent, le bien-être. Hoy en día, Dios es el poder, el dinero, el bienestar. La Vierge nous a dit récemment, chers enfants, quand je vous regarde, mon cœur se noue de tristesse car vous êtes perdus.
La Virgen dice: «Hijos míos, cuando os miro, mis ojos se nublan de tristeza, car vous êtes perdus. Porque estáis perdidos. Vous avez pris le mauvais chemin. Habéis cogido un camino equivocado. Écoutez mes messages, vivez mes messages. Escuchad mis mensajes, vividlos. Je veux vous guider sur le chemin de Jésus. Quiero guiaros por el camino de Jesús». Alors il y a les apparitions des Trois Fontaines, il y a aussi les apparitions à Civitavecchia. Además, también de estas apariciones que ha comentado, también en Italia. J'oubliais de vous dire que Bruno Cornacchiola va être béatifié. Sí, antes de acabar este, de hacer un paréntesis, Bruno Cornacchiola, este señor, está en proceso de beatificación. Entonces hubo, no sé si conocéis el suceso de la Virgen de Civitavecchia en Italia. Nadie había oído hablar de la Virgen de Civitavecchia. Es una imagen que le regalaron a una familia de la Virgen de Medjugorje, que se puso a tener lágrimas de sangre en Italia. Civitavecchia es como una barriada cerca de Roma. Alors, c'est une petite fille de 5 ans qui a remarqué que la statue de son jardin, ils allaient à la messe, elle était la dernière, elle a vu que la statue de la Vierge pleurait des larmes de sang. Esta familia había colocado la estatua en su jardín y la niña pequeña de 5 años se dio cuenta de que la estatua estaba llorando lágrimas de sangre. Et elle a continué à pleurer des larmes de sang. Y continuó así durante tiempo. Et petit à petit, cette petite fille et son papa aussi, Fabio, ont eu des apparitions de la Sainte Vierge. Et esta niña y su padre Fabio tuvieron también apariciones de la Virgen. Et dans les prophéties que la Vierge leur a données, y en las profecías que les dio la Virgen, c'est la même chose, c'est-à-dire que Satan va détruire nos familles si on le laisse, si on le laisse. Es lo mismo, les decía, Satanás, si le dejáis, destruirá vuestras familias. C'est son premier plan, la destruction de la famille. Porque el primer plan de Satanás es destruir las familias. Il sait que s'il détruit la famille, il détruit l'humanité. Porque Satanás sabe que si destruye la familia, destruye la humanidad. Et il en veut particulièrement aux petits-enfants, aux innocents qu'il déteste. Y especialmente se encarniza con los niños, con los más pequeños, porque los detesta. Parce que le don de la vie est tellement grand, porque el don de la vida es tan grande que Satan déteste la vie humaine et il veut tuer tous les enfants. Y Satanás detesta la vida humana y querría matar a todos los niños. Le plan numéro 2 de Satan, c'est la destruction de l'Église. El segundo plan número 2 del Satanás es destruir la Iglesia. Et bien sûr des prêtres et de tous ceux qui sont consacrés. Y naturalmente los sacerdotes y todos los consagrados. Alors il veut dévier les prêtres, il veut les faire sortir du sacerdoce. Él le quiere desviar a los sacerdotes a que abandonen el sacerdocio. Ou bien alors il veut les rendre tièdes et leur faire enseigner des choses fausses. O hacerlos sacerdotes tibios y que enseñen cosas erróneas. Pour qu'ils vident les églises. Pour qu'ils vident les églises. Para vaciar las iglesias. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Es lo que está pasando. Autrement dit, la Vierge, en venant si souvent à Medjugorje, nous vient pour nous aider et nous secourir. Pero hay que decir que la Virgen viene tan a menudo y tanto tiempo a Medjugorje para ayudarnos y socorrernos. Il y a encore pas si longtemps que ça, Witzka, une des voyantes, disait que le triomphe du cœur immaculé est très proche. Vizca, una de las videntes, no hace mucho, repitió: «El triunfo del corazón inmaculado de María está muy cercano». En même temps, elle a dit, tout s'écroule. Y a la vez dijo: «Todo está derrumbándose». Pas seulement la famille, pas seulement l'église, mais tout s'écroule. No solamente la familia, no solamente la iglesia, todo está derrumbándose. Et même l'économie s'écroule. Incluso la economía. Alors, la Vierge nous a donné des remèdes. La Virgen nos ha traído remedios. Et c'est ce remède que je voudrais souligner aujourd'hui avec vous. Y estos remedios son los que yo querría destacar esta tarde con vosotros. Parce que ce n'est pas un hasard si, comme jamais auparavant dans l'histoire du monde, la Vierge vient si longtemps et chaque jour parce que l'heure est grave. Porque nunca antes en la historia la Virgen había venido todos los días y durante tanto tiempo, porque la hora es grave. Alors, c'est sûr que nous allons avoir à souffrir. Sí, es cierto que tendremos que sufrir. Parce que tant que nous ne nous mettrons pas à genoux devant Dieu, porque mientras no nos pongamos de rodillas ante Dios, en tant que peuple, como pueblo,
Le malin a des portes ouvertes chez nous. El demonio le dejamos las puertas abiertas de nuestra casa. La Vierge nous a dit, n'ayez pas peur, chers enfants. La Virgen nos ha dicho, no tengáis miedos, queridos hijos. Je suis avec vous. Estoy con vosotros. Et vous savez l'expression de Dieu, je suis avec vous, qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? Y en la Biblia, ¿sabéis lo que significa cuando dice, yo estoy con vosotros? Ça veut dire, je combats pour vous. Quiere decir, yo estoy combatiendo por vosotros. Ayez foi en moi, ayez confiance en moi, faites ce que je vous dis. Tened fe en mí, tened confianza en mí, haced lo que os digo. Et moi, je combats pour vous, vous aurez la victoire grâce à moi. Y yo combatiré por vosotros y venceréis gracias a mi ayuda. Et il est certain dans la Bible, si nous sommes fidèles au Seigneur, même si nous sommes 100 contre 1000 ou 10 000, nous aurons la victoire parce que Dieu combat pour nous. Y en la Biblia lo vemos muchas veces que aunque nosotros seamos poquitos y los enemigos sean muchísimos miles, siempre la victoria es nuestra porque el Señor combate con nosotros. Alors pour laisser le Seigneur combattre pour nous, il nous faut aussi combattre nous-mêmes pour lui. Para dejar que el Señor combata por nosotros, también nosotros tenemos que combatir por él. Un des premiers messages de la Vierge, le plus important, c'est la prière. Uno de los primeros mensajes de la Virgen, el más importante, es la oración. La prière personnelle, par exemple l'adoration. La oración personal, por ejemplo, la adoración. Je vous invite à pratiquer très fort l'adoration du Saint-Sacrement. Os invito a practicar muy fuerte la adoración del Santísimo Sacramento. La Vierge nous a dit, chers enfants, je vous invite à tomber amoureux du Saint-Sacrement de l'autel. La Virgen nos ha dicho, queridos hijos, os invito a que os enamoréis del Santísimo Sacramento del altar. Adorez mon fils. Adorad a mi hijo. Lorsque vous adorez mon fils, vous êtes unis au monde entier. Cuando adoráis a mi hijo, estáis unidos al mundo entero. Autrement dit, c'est la fin des guerres. Dicho de otra forma, se paralizan las guerras, se acaban las guerras. C'est l'échec de la haine. Es el fracaso del odio. Si nous adorons le fils qui est notre unité. Si adoramos al hijo que es nuestra unidad. Elle nous a demandé aussi de prier en famille chaque También nos ha pedido que recemos en familia todos los días. La prière en famille chaque jour est une décision qu'il nous faut prendre absolument. La oración en familia cotidiana de todos los días es una decisión que tenemos que tomar necesariamente. La prière en famille est le remède, chers enfants, pour guérir le monde d'aujourd'hui. La Virgen ha dicho, la oración en familia, queridos hijos, es el remedio para curar al mundo de hoy en día. Elle nous explique pourquoi. Y nos explica por qué. Jésus lui-même, elle nous a dit, lorsque vous priez en famille, chers enfants, Satan arrive dans votre maison. Jesús mismo nos ha dicho, cuando rezáis, la Virgen ha dicho, cuando rezáis en familia, queridos hijos, Satanás intenta llegar. Lorsque vous priez en famille, Jésus arrive dans votre maison. Perdón. Cuando rezáis en familia, Jesús llega a vuestra casa. Comme il l'a dit dans l'Évangile. Como ha dicho en el Evangelio. Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Elle a dit, Marie a dit, le but de la prière ensemble, c'est de faire arriver Jésus chez vous. María ha dicho, el objetivo de rezar juntos es hacer que Jesús entre en vuestra casa. Une fois qu'il est arrivé, bien sûr, il fait un travail divin au milieu de nous. Una vez que él está en nuestra casa, naturalmente hace un trabajo divino entre nosotros, con nosotros. Il va donner la paix à l'un, la consolation à l'autre. A uno le dará la paz, a otro le dará el consuelo. Il va donner la guérison à l'un, la délivrance à l'autre. A uno le dará la curación, al otro la liberación. Il va faire grandir au milieu de nous l'union des cœurs. Hará que crezca entre nosotros la unión de corazones. Et ainsi, il va habiter dans notre maison complètement. Il va être comme un membre de notre famille. Y así se va a hacer un miembro de nuestra familia. Et quand Satan va arriver pour détruire cette famille? Y cuando quiera venir Satanás para destruir esa familia. Il va voir que Jésus est présent dans cette maison. Se dará cuenta de que Jesucristo está presente en esa casa. Et Satan va être terrorisé et désarmé par la présence de Jésus. Y Satanás se quedará aterrorizado y desarmado por la presencia de Jesús.
Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Porque Jesús lo venció en la cruz. Et donc Satan ne supporte pas la présence de Jésus. Y Satanás no soporta en absoluto la presencia de Jesús. On peut se marier, on a tout. Mucha gente dice, ya nos podemos casar, tenemos trabajo, coche, casa, tenemos todo lo que necesitamos, ya nos podemos casar. Mais si vous n'avez pas Jésus au centre, vous n'avez rien. Pero si no tenéis a Jesús en el centro, en realidad no tenéis nada. Parce que quand Satan va arriver pour détruire votre famille, porque cuando Satanás llegue para destruir vuestra familia, il n'a absolument pas peur ni de votre argent, ni de votre maison, ni de votre travail, ni de votre santé, ça lui fait absolument pas peur. No tiene miedo ni de vuestro dinero, ni de vuestra casa, ni de vuestra salud, ninguna de esas cosas le da miedo. Il a peur de Jésus. Del único que tiene miedo es de Jesús. Et s'il ne voit pas Jésus, il va rentrer. Y si no ve a Jesús, pues entrará en casa. Autrement dit, une famille qui prie construit une barrière contre le mal pour se protéger. Dicho de otra forma, una familia que ora, pues se construye una barrera de protección contra Satanás. Mais une famille qui ne prie pas, où est la barrière? Y una familia que no reza, ¿dónde tiene esa barrera? Il n'y en a pas. No tiene. Et combien de familles catholiques ne prient jamais durant la semaine? ¿Y cuántas familias católicas no rezan nunca durante la semana? Les petits grandissent en ne voyant jamais leurs parents à genoux dans la maison. Y los pequeños crecen y nunca ven a sus padres de rodillas en casa. Et on fabrique des petits incroyants, des petits athées. Y estamos fabricando pequeños incrédulos, pequeños ateos. Mais si les parents ensemble à table parlent de Jésus, de ce qu'ils ont découvert dans la vie de tel saint, de telle sainte, ils parlent de Jésus avec amour, avec admiration. Pero si en cambio los niños ven que sus padres en la mesa, en otros momentos, pues hablan de Jesús, de un santo, de una santa que han leído o cuentan anécdotas de la vida de los santos, entonces los niños irán creciendo. Alors, vous allez mettre les germes de la foi dans leur cœur. Y habremos puesto las semillas de la fe en su corazón. Parce qu'ils voient que papa et maman parlent de Dieu avec admiration, donc il existe. Entonces ellos se darán cuenta que papá y mamá hablan de Dios con admiración y entonces ellos comprenderán que Dios existe. La foi arrive dans les enfants par l'exemple des parents. La fe llega a los niños gracias al ejemplo de los padres. La Vierge nous invite aussi à jeûner deux fois par semaine. La Virgen también nos invita a que ayunemos a pan y agua dos veces por semana. Elle a fait des promesses extraordinaires à propos du jeûne. Con motivo del ayuno ha hecho promesas extraordinarias. Elle nous dit, chers enfants, seulement par le jeûne et la prière, vous pouvez empêcher les guerres, arrêter les guerres, et même suspendre les lois naturelles. Nos ha dicho, queridos hijos, solo mediante el ayuno y la oración se pueden impedir las guerras o parar las guerras si ya han empezado o suspender las leyes naturales. Comme par exemple les tsunamis, les avalanches, les tremblements de terre. Por ejemplo, como los tsunamis, las avalanchas, los terremotos. Alors, elle nous invite à faire un jeûne particulier, c'est-à-dire le mercredi et le vendredi. La Virgen nos invita a hacer un ayuno especial los miércoles y los viernes. Au pain et à l'eau. A pan y agua. Comme elle-même l'a pratiqué lorsqu'elle était sur la terre. Como ella lo practicaba cuando ella vivía en la tierra. Ainsi que tous les premiers chrétiens. Como todos los primeros cristianos. Comme nous l'apprend le livre de la Didache, qui est un livre du premier siècle de l'Église. Como lo explica el libro de la Didache, que es uno de los primeros documentos que tenemos de la Iglesia primitiva. Mais là aussi nous avons failli au niveau du jeûne. Regardez, les Juifs jeûnent, les orthodoxes jeûnent, les musulmans jeûnent, les hindous jeûnent, les protestants jeûnent, tout le monde jeûne, sauf nous les catholiques. Y en cambio, fijaros que las familias judías ayunan, los protestantes ayunan, los ortodoxos ayunan, los budistas ayunan, y los únicos que no ayunamos somos los católicos. On dit qu'on a jeûné parce qu'on a mangé du poisson au lieu de la viande le mercredi des cendres et le jeudi saint. Decimos que ayunamos el miércoles santo y el miércoles de ceniza y el viernes santo porque hemos comido pescado. Decimos eso, pero no hemos ayunado. Alors, c'est pour cela que il y a tant de problèmes aujourd'hui dans l'église. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día en la iglesia.
Alors beaucoup de gens nous disent, oh, mais ils veulent avoir une vie beaucoup plus facile en évinçant le jeûne. Mucha gente piensa que tendrá una vida mucho más fácil si evita ayunar, si no ayuna. Mais je vais vous poser une question. Vous vous souvenez dans l'évangile, Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour évangéliser. Pero os voy a hacer una pregunta. ¿Os acordáis el pasaje del Evangelio en el que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos para evangelizar? Alors ils sont revenus tout contents en disant, Jésus, regarde, c'est super, même les démons sont soumis en ton nom. Vinieron muy contentos y dijeron, Jesús, mira, es maravilloso, incluso los demonios se nos sometían en tu nombre. Donc ils avaient bien réussi. Lo cual quiere decir que habían tenido mucho éxito. Mais voilà qu'une fois, ils n'ont pas réussi. Pero una vez que volvieron, también los había enviado y volvieron. Et ils ont demandé en privé à Jésus, pourquoi on n'a pas réussi à chasser le démon de cet enfant? Et no habían conseguido expulsar un demonio de un niño. Y entonces en privado, luego, cuando después de que Jesús lo había expulsado, le preguntaron, ¿por qué nosotros no hemos conseguido expulsar ese demonio? Et Jésus a répondu, parce que cette espèce-là ne se chasse que par le jeûne et la prière. Y Jesús les contestó, porque esa clase de demonios solo se pueden expulsar mediante el ayuno y la oración. Et ils n'avaient pas jeûné. Y los apóstoles no habían ayunado esa vez. Autrement dit, si l'on jeûne, on ferme la porte aux démons les plus violents et les plus méchants. Dicho de otra forma, si ayunamos, le cerramos la puerta a los demonios más poderosos y más violentos. Et comme aujourd'hui, la Vierge nous dit aujourd'hui, Satan travaille comme jamais encore auparavant, d'une manière plus violente que jamais. Y como la Virgen nos ha dicho que hoy en día Satanás trabaja de la forma más violenta como nunca antes. Il est important que l'on pratique le jeûne pour l'empêcher de nuire. Es importante que ayunemos para impedirle al demonio que pueda perjudicarnos. Regardez les tremblements de terre, les tsunamis qui ont été le cas de ces dernières années. Fijaros en todos los terremotos y los tsunamis que han ocurrido estos últimos años. Le jeûne aurait pu empêcher ces catastrophes. Si hubiéramos ayunado, esas catástrofes hubieran podido ser evitadas. Les guerres peuvent être empêchées par le jeûne. Las guerras también se pueden evitar por el ayuno y la oración. Si quelqu'un dit je veux avoir une vie plus facile en mangeant quand je veux ce que je veux sans jeûner, c'est une grave erreur de calcul. El que se piensa que puede tener una vida más fácil no ayunando y comiendo lo que le apetece cuando le apetece, se equivoca. Parce que je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus facile? Jeûner le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau ou réparer les dommages et les dégâts d'une guerre ou d'un tsunami? Os quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil, ayunar los miércoles y los viernes a pan y agua o reparar los destrozos que produce un terremoto o un tsunami? Et une guerre. O una guerra. Qu'est-ce qui est plus facile? ¿Qué es más fácil? Répondez. Contestad. Eh bien, vous avez compris. Bueno, pues lo habéis comprendido. Par exemple, les massacres de Rwanda, je ne sais pas si vous vous souvenez des massacres. La Vierge a dit qu'ils pouvaient être évités. Ils n'ont pas été évités. Por ejemplo, no sé si os acordáis de las masacres que hubo en Ruanda hace unos años. La Virgen les avisó que podían haberse evitado, pero no se evitaron. Voilà. Autrement dit, la Vierge nous demande de prendre au sérieux ces messages parce que si elle nous demande de jeûner ainsi, elle sait pourquoi et elle sait ce que nous pouvons empêcher comme malheur. La Virgen, hay que tomar en serio los mensajes de la Virgen porque si la Virgen nos dice todo esto, es porque ella sabe lo que hay que hacer para impedir todos estos desastres. Un autre point que la Vierge nous demande de retrouver, c'est le point de l'amour de la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu. Merci. Otro punto que la Virgen nos pide que hagamos es que leamos la palabra de Dios. Elle nous demande d'avoir la Bible ouverte dans nos maisons. Nos pide que tengamos la Biblia abierta en nuestras casas. Et de lire un passage chaque jour. Y que leamos un pasaje cada día. De le méditer, de le mettre en pratique dans la journée. Que lo meditemos y que lo pongamos en práctica durante el día. Et pourquoi cette parole de Dieu est si importante? ¿Y por qué es tan importante la palabra de Dios? Parce qu'en ayant cette connaissance de la parole de Dieu, nous avons la connaissance de la volonté de Dieu et du plan de Dieu sur nous. Porque si aprendemos a conocer la palabra de Dios, conoceremos la voluntad de Dios y el plan que tiene Dios para nosotros. Et ce plan est un plan de salut.
Y el plan que Dios tiene para nosotros es un plan de salvación. Parce que la Vierge nous aime, Jésus nous aime, il veut nous sauver tous. Porque la Virgen nos quiere, Jesús nos quiere y lo que quieren es salvarnos a todos. Aujourd'hui nous sommes bombardés de différents messages par l'internet, par la télévision. La plupart sont véreux ces messages-là. Muchas veces hoy en día estamos bombardeados por mensajes que nos envía la televisión, internet y la mayor parte de las veces es... ils sont véreux. Avec des vers dedans. Sí, esos mensajes están llenos de gusanos, es decir, son venenosos. Et on n'a plus le discernement pour voir ce qui est vrai et faux. Y ya no sabemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Mais si vous lisez la parole de Dieu, non seulement elle est vraie. Pero si leéis la palabra de Dios, no solamente es verdadera. Elle va nous donner la vérité. Nos va a dar la verdad. Mais en même temps, c'est une parole qui est vivante. Y además, a la vez, es una palabra viva. Vous lisez une parole et peut-être que 10 ans plus tard, dans une situation précise, le Saint-Esprit va vous rappeler cette parole pour faire le bon choix. Si leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, más tarde, puede ser años más tarde, en una situación determinada nos va a iluminar que esa palabra de Dios nos permite hacer la elección correcta. Et de plus, elle va vous donner la vérité. Y además nos va a dar la verdad. Regardez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que l'avortement est une bonne chose et une libération pour la femme. Daos cuenta, fijaros, hoy en día hay mucha gente joven que piensa que el aborto es una cosa buena y que además es una liberación para la mujer. Si j'ai 15 ans et que je me retrouve enceinte, si tengo 15 años y me quedo embarazada, l'ambiance générale du monde d'aujourd'hui va me convaincre que je dois faire l'avortement. El ambiente general de la sociedad intentará convencerme que lo mejor es que yo aborte. Mais si je lis la parole de Dieu. Pero si leo la palabra de Dios. Moi-même, je t'ai brodé dans le sein maternel. Que dice, yo mismo he sido tejido en el seno materno. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent que Dieu est l'auteur de la vie. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que Dios es el autor de la vida. Et que la vie humaine est infiniment précieuse à ses yeux. Y que la vida humana es infinitamente preciosa a sus ojos. Parce que nous sommes une création nouvelle, chacun de nous fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Porque cada uno de nosotros somos una nueva creación hecha a imagen y semejanza de Dios. Alors qui je suis pour décider de la vie et de la mort d'un petit être créé par Dieu? ¿Y quién soy yo entonces para decidir sobre la vida y la muerte de un ser pequeñito que ha sido creado por Dios? Alors voyez, avec la lecture de la Bible, j'ai la lumière pour agir en fonction de la volonté de Dieu. Si leo la Biblia, tengo la luz suficiente para poder actuar en función de la voluntad de Dios. Il y a aussi cette demande de la Sainte Vierge de la confession mensuelle. También la Virgen nos pide que nos confesemos una vez al mes. Un jour, elle est apparue devant les voyants, et il y avait les villageois derrière les voyants. Un día se apareció a los 6 niños y detrás de los niños había muchísima gente del pueblo. Et ce jour-là, elle a dit tous ceux qui sont présents pourront venir me toucher. Y ese día les dijo todos los que están aquí presentes podrán venir y tocarme. Alors elle a demandé aux voyants d'aller chercher les personnes pour les approcher d'elle un par un et chacun a pu toucher la Sainte Vierge. Entonces los niños, a petición de la Virgen, cogían a la gente y la acompañaban, porque la gente no la veía, pero ellos sí, para que la gente pudiera tocar a la Virgen. Et ils étaient très bénis de pouvoir toucher la Sainte Vierge, comme vous pouvez imaginer. Y fue una bendición muy grande poder tocar a la Virgen para cada uno. Et voilà que des taches sont apparues sur la robe de la Sainte Vierge. Pero de pronto empezaron a aparecer manchas en el vestido que llevaba la Virgen. Alors ils ont dit, mais Vierge Marie, comment se fait-il que ta robe soit devenue toute sale? Y los niños le preguntaron, pero Virgen María, ¿cómo es posible que tu vestido esté llenándose de manchas? Écoutez bien sa réponse. Escuchad bien lo que dijo la Virgen. Ce sont les péchés de ceux qui me touchent. Son los pecados de la gente que me está tocando. Alors ils ont dit, ne touchez plus la Sainte Vierge, vous mettez des taches. Y los chicos dijeron, no toquéis más a la Virgen que la estáis llenando de manchas. Et ce jour-là, elle a donné un message très important, pas seulement pour le village de Medjugorje, mais aussi pour le monde entier et pour nous.
Y aquel día dio un mensaje muy importante, no solamente para la gente del pueblo de Medjugorje, sino para todo el mundo y para nosotros. Chers enfants, je vous invite à purifier vos cœurs du péché. Queridos hijos, os invito a purificar vuestro corazón del pecado. Car avec le péché, personne ne peut être heureux. Porque con el pecado nadie puede ser feliz. Avec le péché, il n'y aura pas la paix. Con el pecado no habrá paz. C'est pourquoi je vous invite à une confession mensuelle. Por eso os invito, queridos hijos, a una confesión mensual. Car il n'y a personne sur la terre qui n'aurait pas besoin d'une confession mensuelle. Porque no hay nadie sobre la tierra que no necesite confesarse por lo menos una vez al mes. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. La confesión mensual será un remedio para la Iglesia de Occidente. Un prêtre me disait en France que, connaissant ses paroissiens, il me disait, tu sais, dans ceux qui viennent à la messe le dimanche, je sais qu'il y en a 50% qui vivent en état de péché mortel. Un sacerdote francés que ella conoce le decía, sabes, de todos mis parroquianos que vienen a misa el domingo, yo sé que el 50% están viviendo en pecado mortal. Abandonnez le péché qui habite vos vies, nous dit la Sainte Vierge. Abandonad el pecado que habita vuestras vidas, dice la Santísima Virgen. Alors Medjugorje est devenu comme le confessionnal du monde, c'est une expression. Como a lo mejor sabéis, a Medjugorje le llaman el confesionario del mundo, es una forma de hablar. Et si la Vierge nous invite tellement à abandonner le péché, c'est pour que nous puissions vivre la messe avec un cœur pur. Y si la Virgen nos insiste tanto en que abandonemos el pecado, es para que podamos vivir la misa con un corazón puro. Elle nous demande de mettre la Sainte Messe au centre de notre vie. Nos pide que pongamos la Santa Misa en el centro de nuestra vida. Autrement dit, de mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. Es decir, poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Ça veut dire de mettre tout le reste en dépendance de la présence du Christ. Es decir, tenemos que poner todo lo demás dependiendo de la presencia de Jesucristo. Il y a une parole de l'Apocalypse que je voudrais vous citer qui va expliquer aussi ce qui nous attend dans le temps très très prochain. Hay una palabra también del Apocalipsis que os quiero citar porque explica un poco lo que nos espera en estos tiempos. Il y a cette parole que l'épouse suit l'agneau partout où il va. En el Apocalipsis se dice, la esposa sigue al cordero allí a donde él va. Et bien sûr, l'épouse, c'est l'Église. Y la esposa es la Iglesia. Et l'agneau, c'est le Christ. Y el cordero es Jesucristo. Quand nous voyons le parcours du Christ sur la terre, cuando vemos el recorrido vital de Jesucristo sobre la tierra. Il y a différentes étapes. Il est né à Bethléem. Hay diferentes etapas. Nació en Belén. Il est parti pendant 4 ans en Égypte. Tuvo que irse a Egipto 4 años. Ensuite, il a eu la vie cachée à Nazareth. Y después estuvo en la vida oculta en Nazaret. Ensuite, 3 ans de vie publique. Y después 3 años de vida pública. Où il a prêché, il a fait des miracles. En la cual predicó, hizo milagros. Il a révélé son identité. Y reveló su identidad. Et puis un beau jour, voilà qu'il s'est arrêté sans même se défendre. Y un día se dejó apresar sin defenderse, sin oponer resistencia. Il a été torturé, il a été soumis à des tortures et des angoisses extraordinaires. Fue torturado y lo sometieron a sufrimientos y angustias terribles. Il a été tué. Lo mataron. Et il a été mis au tombeau. Y lo enterraron. Le troisième jour, il est ressuscité. Al tercer día resucitó. Et si j'en crois les prophètes dont je vous ai cité les noms tout à l'heure. Y si creemos a los profetas que ya ha estado comentándonos hace un rato. Il va arriver un temps où apparemment l'Église va être détruite. Llegará un tiempo en que aparentemente la Iglesia parecerá destruida. Mais il est dit aussi que l'Église doit revenir à Jérusalem. Y también en el Apocalipsis se dice que la Iglesia tiene que volver. Estos profetas dicen que la Iglesia tiene que volver a Jerusalén. Ça veut pas dire qu'il faut revenir sur le lieu de Jérusalem en Israël. Eso no quiere decir que la Iglesia tenga que volver a Jerusalén, a Israel. Ça veut dire qu'on va perdre tout notre pouvoir, tout notre établissement, tout nos choses.
visible. Quiere decir que la Iglesia perderá todo el poder temporal, todo el aspecto visible, las construcciones, las ventajas que tenemos, las estructuras. Pour retourner dans cette simplicité des premiers chrétiens. Para volver a la sencillez de los primeros cristianos. Où c'était des petits groupes de croyants qui s'aimaient et qui vivaient à fond la foi. En la cual la Iglesia eran pequeños grupos de cristianos que se amaban y que vivían juntos la fe. La Vierge a dit, chers enfants, les groupes de prière sont forts. La Virgen ha dicho en Medjugorje, queridos hijos, los grupos de oración son fuertes. Parce que dedans, je vois que l'Esprit Saint travaille. Porque veo que dentro de ellos el Espíritu Santo trabaja. Et ceux qui font partie des groupes de prière veulent faire la volonté de Dieu. Y los que forman parte de los grupos de oración quieren hacer la voluntad de Dios. Elle n'a pas dit l'Église est forte. No dijo la Iglesia es fuerte. Elle n'a pas dit la famille est forte. No dijo la familia es fuerte. Elle n'a pas dit vos gouvernements sont forts. No ha dicho vuestros gobiernos son fuertes. Elle a dit les groupes de prière sont forts. Ha dicho, los grupos de oración son fuertes. Pour nous, c'est un signe. Para nosotros es un signo. Elle compte sur nous de faire des petits noyaux de prière. Cuenta con nosotros para hacer pequeños núcleos de oración. La famille, bien sûr, mais aussi d'autres petits groupes de prière. La familia, naturalmente, pero también otros pequeños grupos de oración. Pour échapper, pour être invisible aux yeux de l'ennemi, en quelque sorte. Para que, de alguna manera, podamos escapar al hacernos invisibles a los ojos de los enemigos. Et ces petits groupes de prière vont former l'Église de demain et les apôtres de demain. Y esos pequeños grupos de oración formarán la Iglesia del futuro y los apóstoles del futuro. Lorsque le Christ est mort, il y avait Marie au pied de la croix. Cuando Jesús murió, estaba María al pie de la cruz. Pierre n'était pas là au pied de la croix. Pedro no estaba al pie de la cruz. Il y avait Jean. Estaba Juan. Un fils de Marie particulier. Que era muy querido, era un hijo de María muy muy querido por ella. Hijo espiritual. Et nous aussi, c'est un signe que Marie, c'est la colonne de la foi qui demeure quand tout devient ténèbres. Y esto es un signo de que la columna de María permanece cuando todo lo demás se derrumba. Marie se souvenait des prophéties de l'ange Gabriel sur Jésus. María se acordaba de las profecías que le hizo el ángel Gabriel sobre Jesús. Il sera grand. Será grande. Il sera appelé fils du Très-Haut. Se llamará hijo del Altísimo. Prendra le trône de David son père. Ocupará el trono de David su padre. Il régnera sur la maison de Jacob. Reinará sobre la casa de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Y su reino no tendrá fin. Elle est en train de mourir. Y María veía que estaba muriendo allí en la cruz. Son règne n'aura pas de fin. Elle est en train de mourir. Su reino no tendrá fin y estaba allí muriendo sobre la cruz. Et Marie a cru. Y María creyó. Contre toute évidence. Contra toda evidencia. Quand tout semblait cassé. Cuando todo parecía roto. Quand c'était la nuit complète. Cuando era la noche completa. Quand celui qui avait été l'espoir de tout le peuple était mort, crucifié comme un malfaiteur. Cuando aquel que había sido la esperanza de todo un pueblo estaba allí crucificado, muriendo como un malhechor. Alors mes chers frères et sœurs, sachez-le, nous allons vivre une église qui sera à l'image de Jésus. Queridos hermanos, hermanas, sabed que viviremos una iglesia que se parecerá a la imagen de que os he descrito de Jesucristo. La Vierge nous forme aujourd'hui comme ses apôtres pour que nous soyons avec elle sous son manteau de protection. La Virgen nos está formando para que con ella seamos sus apóstoles amparados bajo su manto. Tous ceux qui seront consacrés au cœur de Marie, au cœur de Jésus, seront avec elle et seront protégés du malheur. Todos los que se consagren al corazón inmaculado de María y al corazón de Jesús serán fuertes con ella. Ils seront protégés du malheur. Y estarán protegidos de la desgracia. Beaucoup d'entre nous vont peut-être mourir martyrs. Muchos de nosotros quizá muramos mártires. Mais ceux qui seront épargnés seront les apôtres des derniers temps. Pero los que el Señor preservará serán los apóstoles del día de mañana. Et la Vierge nous l'a dit à Medjugorje, elle prépare un nouveau temps. La Virgen lo ha dicho en Medjugorje, prepara un tiempo nuevo. Marthe Robin, cette grande mystique française, a dit une nouvelle Pentecôte d'amour sur le monde.
Una mística francesa, Marta Robin, no sé si habéis oído, también dijo, se prepara una nueva Pentecostés para el mundo. Y esta Pentecostés, ça sera pas seulement sur 11 hommes réunis dans un petit cénacle avec Marie, ça sera sur le monde entier, qu'on soit juif, orthodoxe, musulman, bouddhiste, chrétien, non, tout le monde recevra l'Esprit Saint. Y esa gran Pentecostés no será solo para un grupo de, como cuando los apóstoles de 11 hombres y María, será una Pentecostés para toda la humanidad, cristianos, budistas, no creyentes, de cualquier clase de personas, todos recibirán el Espíritu Santo. Y a cette époque-là, d'après ce que les voyants de Medjugorje nous ont dit dès le début de l'apparition, y en ese momento, según lo que nos han dicho desde los principios de las apariciones, quand les secrets seront révélés et réalisés, cuando los secretos sean conocidos y se hayan realizado, nous assisterons à la fin du pouvoir de Satan. Entonces asistiremos al final del poder de Satanás. Et ça sera une époque complètement nouvelle. Y será una época completamente nueva. C'est ça notre futur. Ese es nuestro futuro. Avec Marie, avec Jésus. Con María, con Jesús. Dans la victoire contre le mal. En la victoria contra el mal. Mais avant, il nous faut passer l'épreuve. Pero antes tenemos que pasar por las pruebas. Et n'oubliez pas que ceux qui sont avec Jésus, ceux qui vivent dans l'état de grâce. Y no olvidéis que los que están con Jesús, los que viven en estado de gracia. Ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ceux qui veulent vivre les messages de Marie. Los que quieren vivir los mensajes de María. Ils sont dans cette barque de l'Église qui est fouettée par les tempêtes, par les vents, par les vagues. Están en esa barca de la Iglesia que es azotada por el viento, por las olas. C'est une barque qui prend l'eau. Es una barca que incluso está haciendo agua. Mais elle ne coulera pas parce que Jésus est dedans. Pero no se hundirá porque Jesucristo está dentro de ella. Et l'Église a reçu de Jésus les promesses de la vie éternelle. Y la Iglesia ha recibido de Jesús las promesas de la vida eterna. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alors, aimez l'Église, priez pour l'Église, ne critiquez pas l'Église. Amad a la Iglesia, rezad por la Iglesia, no critiquéis a la Iglesia. Remarquez tout ce qu'il y a de bien de ce que vous avez reçu de la part de l'Église. Reconoced todo el bien que habéis recibido de parte de la Iglesia. Et le mal que vous voyez dans l'Église, les péchés qui peuvent se faire, ne les soulignez pas, taisez-vous et intercédez. Y el mal que podáis ver en la Iglesia, no lo destaquéis, orad, interceded por ese mal. Intercédez dans le silence sans critiquer. Interceded en silencio sin criticar. Et ainsi, on va abréger le temps de l'épreuve. Y así abreviaremos el tiempo de la prueba. Et on va hâter la victoire du cœur de Marie et de Jésus. Y adelantaremos el tiempo de la victoria de María y de Jesús. Alors, je vais vous inviter maintenant à prendre une minute de prière silencieuse. Os invito a que hagamos un minuto de oración en silencio. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Los que puedan arrodillarse, que se arrodillen. Pendant cette minute de prière, je vous invite à faire un choix. Durante ese minuto de silencio os invito a que hagáis una elección. Est-ce que vous voulez vous laisser préparer par l'Esprit Saint pour devenir ces apôtres des derniers temps? ¿Queréis dejaros preparar por el Espíritu Santo para convertiros en sus apóstoles de los últimos tiempos? En vivant les instructions que nous donne la Vierge exceptionnellement en ces temps. Viviendo las instrucciones que la Virgen nos da en estos tiempos excepcionalmente. Afin d'être les instruments dans les mains de Dieu. A fin de ser los instrumentos entre las manos de Dios. Et hâter la victoire de Dieu sur le monde. Y apresurar la victoria de Dios en el mundo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos y ángeles del cielo, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alors, quelques avis pratiques. Algunas indicaciones prácticas. Podéis sentaros. Nous allons rester en silence pour nous préparer le cœur à la Sainte Messe. Vamos a estar en silencio para preparar nuestro corazón para la Santa Misa. La Vierge a demandé qu'on ne parle pas dans les églises. La Virgen nos pide que no hablemos en las iglesias. La première conversion que nous pouvons faire. La primera conversión que podemos hacer. Voilà. Et ensuite, après la messe, j'ai préparé un cadeau pour vous que je vous donnerai. Después de la misa ha traído un regalo de Medjugorje para vosotros que os dará. Mais avant, je voudrais déjà dire que pour tous ceux qui disposent d'un ordinateur, vous avez la possibilité de recevoir directement sur votre adresse électronique les messages de Marie et la lettre que j'écris chaque mois. Todos los que tengáis ordenador, si queréis, podéis apuntaros a una lista de correo electrónico y recibiréis cada mes los mensajes de la Virgen y una carta que Sor Emmanuel escribe mensualmente. Para estar informados sobre los hechos de Medjugorje. Lo que está pasando en Medjugorje. Je voulais aussi dire que vous avez à votre disposition un grand nombre de livres sur Medjugorje, des témoignages, des livres que j'ai écrits moi-même, ou d'autres que je n'ai pas écrits, pour des prix extraordinaires, très peu chers. Ahí también os quiero decir que fuera hay unos libros, unos los ha escrito ella a base de testimonios de gente de Medjugorje, otros no los ha escrito ella, pero que son a un precio muy barato y que son muy interesantes. Je vous recommande particulièrement le livre des messages de la Vierge. Pour vivre les messages, il faut les connaître. Et c'est un livre qui coûte 1 euro, c'est pas la mort. Os quiero recomendar especialmente que hay un libro con los mensajes de la Virgen. Si uno quiere conocer los mensajes, los tiene que poder leer y que solo vale 1 euro, que es muy barato. Je vous invite aussi à prendre un livre sur le jeûne où j'explique toutes les fruits du jeûne et la manière de jeûner, même médicalement. También hay otro libro que ha escrito sobre el ayuno en el que explica los frutos del ayuno y también instrucciones concretas para poder ayunar, incluso de tipo médico, de cómo se puede ayunar. J'ai écrit ce livre avec l'aide de Don Gabriel Amor, qui est le grand exorciste après, qui vient de mourir. Il est mort hier soir. Ese libro tiene también la colaboración de Don Gabriel Amor, el exorcista que era del Vaticano, que acaba de fallecer hace poco. Et ce livre vaut aussi 1 euro, je vous le recommande. Y vale 1 euro, también os lo recomienda. Mais je vous préviens, si vous lisez le livre, vous ne pourrez pas faire autrement que de jeûner. Dice, os aviso que si leéis el libro, no os quedará más remedio que ayunar. Parce que vous comprendrez tous les bienfaits, vous désirerez ces bienfaits. Porque comprenderéis todos los dones que da el ayuno y querréis esos dones. Il y a aussi le Niño Escondido de Medjugorje, le Triunfo del Corazón, la Paz sera... La paz tendrá la última palabra. Bueno, los ha dicho ya en español, así que no los traduzco. Esos libros los ha escrito ella. Voilà. Alors, ce sont des témoignages que j'ai récoltés et qui montrent que c'est Dieu et non pas Satan qui a le contrôle du monde aujourd'hui. Esos son libros de testimonios que ella ha ido recogiendo y que allí se muestra que es el Señor, es Dios el que controla el mundo y que el que tiene el poder no es Satanás, que es el Señor. Je vous invite à offrir ces livres à des gens dont la foi est un peu branlante. Y os invita a que regaléis o prestéis esos libros a gente que tenga la fe vacilante. Parce que ça donne beaucoup d'espérance et beaucoup de courage pour retourner sur le chemin de Dieu. Porque eso da mucho valor y mucha esperanza para volver otra vez al camino del Señor. Voilà. Voilà. Donc maintenant nous allons nous préparer en silence pour la Sainte Messe. Ahora nos preparamos para la misa, para la Santa Misa. Alors après la messe, je vous donnerai le cadeau qui reste secret pour le moment. Vale, y después de la misa os dará el regalo que por ahora no os dice qué regalo es, pero luego os lo da.